Aujourd'hui, on va déballer la cinquième édition, de Vampire Day Eternal Struggle. Donc, c'est un kit qui vient dans une boîte et puis c'est destiné essentiellement aux nouveaux joueurs, donc les joueurs qui veulent apprendre le jeu. Et donc, à l'intérieur, on va voir, il y a tout ce qu'il faut pour, euh, pour jouer, pour démarrer une partie euh, pour cinq joueurs. Ça peut aussi intéresser des anciens joueurs parce qu'il y a certaines bonnes cartes là-dedans et euh, aussi beaucoup de cartes nouvelles. Donc, on va regarder ça ensemble. Tout d'abord, on va regarder le derrière de la boîte. Donc on, ici, on a une description là, de bon, un setup de, de base de la table, quelques previews de cartes, ainsi que le matériel. Donc euh, ça prend un livret d'instruction en couleur. Il y a cinq decks de 89 cartes chacun. 180 poules, on va les voir, là, sont en carton. Et puis euh, un edge, 5 feuilles d'aide pour comprendre comment chacun des decks fonctionne. Et puis 5 cartes pour... Euh, Déterminer l'ordre de joueurs, le, comment les joueurs sont assis autour de la table. Pour ceux et essaient que ça intéresse, il existe une cinquième édition, mais en français. Euh, je ne ferai pas de déballement de celui-là parce qu'il euh, ne m'appartient pas. Par contre, euh, je veux juste que vous sachiez que ça existe. Donc maintenant, ils ont, ils ont traduit le jeu en plusieurs langues, euh, dont le français. Donc ça aussi, ça va être trouvable euh, éventuellement en magasin. Donc voilà. Donc. On va ouvrir cette, euh, cette bête, en fait, que j'attendais depuis un bon petit bout, que beaucoup de joueurs attendaient depuis longtemps. Donc, on a d'abord le livre d'instructions, euh, que je n'ai pas tout lu, mais que je trouve euh, très soigné, et qui semble être très bien euh, expliqué. Ça peut faire peur à plusieurs joueurs, c'est quand même un livret d'instruction d'une quarantaine, cinquantaine de pages, mais euh, Vampire, c'est un jeu qui est très complexe. Et puis, euh, j'imagine que dans le livre, on va pas seulement expliquer les règles qui correspondent aux decks qui sont en l'intérieur, mais bien euh, faire le tour de toutes les règles euh, de tout le jeu. Voilà. Ensuite, il y a cinq euh, euh, cartons comme ça qui euh, sont à l'effigie de tous les clans qui sont disponibles dans le deck, euh, dans la boîte. Donc, on a un carton pour la, le clan des Trémères, un pour les ventrous un pour les Toréadors, un pour les Nosferatu et un pour les Malkavian. Donc sur ces cartons-là, c'est très intéressant. Moi je trouve que c'est une belle idée qu'ils ont eue. Euh, on nous présente euh, donc l'overall. Comment est-ce qu'une partie va jouer avec le deck? Donc, au début de la partie, qu'est-ce qu'on tente de faire? En milieu de partie, c'est quoi notre stratégie? Et la fin de partie, comment on doit la jouer? Aussi, il y a des, euh, y a des euh, trucs stratégiques, comme euh, essayer de faire plusieurs actions en même temps. Euh, quelles sont les actions clés qu'on doit faire? Euh, le stealth, comment on utilise ça? Euh, comment on fait pour, euh, euh, mettons, jouer la politique? Euh, comment me défendre? Ici, il y a des éléments de défense. Comment me défendre contre un bleed? Comment gagner du pool? etc. Donc ça, c'est euh, euh, unique pour chaque deck. C'est pas le même deck, c'est pas la même description pour chaque, euh, chaque stratégie. Et puis ça, je trouve que c'est une très belle attention qu'ils ont eue pour vraiment aider les nouveaux joueurs à s'approprier le jeu. Euh, puis, finalement, il y a ici le decklist. Fait que s'il y a des cartes qui sont promenées d'un deck à l'autre, euh, on peut reconstituer notre deck avec le decklist. On a ici... Les. sans quelques poules en carton. Euh, bon, il fallait en mettre à l'intérieur pour que le jeu soit complet, mais je trouve ça personnellement pas intéressant de jouer des jetons en carton. Ni avec un Edge en carton. Donc ça ici, c'est un euh, C'est un morceau qui se détache et puis qui va jouer le rôle de Edge. Euh, personnellement, je trouve ça très laid, <laughs> en fait, les jetons. Euh, tant qu'à mettre un piton autour d'un noir, en tout cas, je me serais arrangé pour que le piton soit... Euh, la grosseur complète. Je les trouve un peu gros. donc Personnellement, je n'utiliserai pas ça. Je vais utiliser les blocs de que j'utilise toujours. Donc, ceux qui sont des baies en vitre, ça se trouve dans tous les bons magasins. Donc, ça ressemble à ça. Donc, on peut utiliser des, des, euh, des petits cantos comme ça en vitre. Ça se trouve dans à peu près n'importe quel magasin. Euh, et puis, je trouve ça plus agréable et plus facile à manipuler euh, que les, euh, les jetons en carton. Ok, là, on va arriver au gros du déballage. Ce sont les cinq decks. Donc à l'intérieur, on a un deck pour les Toriadors. On a un deck Ventru, Un deck Nosferatu. Un deck Trémère. Et un deck Malkavian. Donc je vais, je vais procéder au déballement de chacun de ceux-ci. Puis je vais les commenter au fur et à mesure. Donc, dans le deck Monkevin, on a. La première carte, c'est euh, la carte du Seating Order. Donc, ça, ces cartes-là, il va en avoir une par deck, et puis, euh, on va les mélanger, les redistribuer aux joueurs, puis on va savoir qui ça soit où. Donc, je ne pense pas que ça corresponde au, euh, au clan en tant que tel, mais c'est vraiment pour désigner qui est le premier joueur, etc. Autour de la table. Donc, euh, on a une carte comme ça. On commence avec les vampires. Donc, Alan Sander Silverson. C'est euh, une des rares cartes du jeu qui a un texte. Donc, euh, vous allez voir là, dans les différents decks de cartes, ils ont vraiment simplifié les vampires pour que ce soit accessible aux nouveaux joueurs, pour pas que ce soit trop complexe puis tricky. Euh, donc, puis les vampires sont. Euh, je pense que c'est rarement en haut de 8. Sinon, 8 c'est le plus haut. Euh, la capacité la plus haute qu'on va retrouver dans le jeu. Donc, lui c'est le prince de, Bur de Birmingham. Et puis, euh, les vampires doivent brûler un blood pour, euh, pour faire un, mettre en jeu leur voix lors d'un référendum, qui est appelé par Alexander. Il y a toutes les disciplines supérieures, donc Aspects, dim, euh, aspects Dominate, puis euh, Obfuscate, avec un splash de présence euh, à inférieur. Donc, il y en a deux. Deux, Alexander. Andy Liu. Camarilla et les euh, Prince de, de, de Taipei. Donc pour 6, vraiment pas cher pour un prince. Avec domaine supérieur, super carte. Ashley, une seule fois. Colette. Donnie Kowalczyk, Prince de Pittsburgh, deux fois. Dr Stephen Norton. Oups. Une fois. On a Gelasia Futiu. Qui est là une fois. Megan. Sully. Et c'est ça pour les vampires. Donc, on, dans, le, dans un deck de base, il y a les 12 vampires nécessaires pour jouer. Et puis, euh, le deck de euh, la librairie ici, qui sont les, les cartes qui sont associées à ce deck-là. Donc, là, on a le Hazelum Hunting Ground. On a un Barons. 1, 2, 3, 4 Blood Doll. Donc on a remarqué que dans les decks, il y a alternativement des Blood Dolls ou des Vessels. Euh, je pense pas qu'il va y avoir de vessel dans celui-là, non. Et puis, donc, c'est un peu pour justifier la mécanique. Euh, probablement, ben, probablement Blood Doll, c'est pas une mauvaise carte, là. Euh, Mais c'est pour un petit peu justifier la mécanique que sur les vessels, c'est écrit qu'on ça détruit une Blood Doll en jeu. Donc ça aurait fait un petit peu bizarre de ne pas mettre de Blood Doll dans les decks. Pour cette raison-là, entre autres. Donc, bonding. Du, euh, du bleed. Cloak the gathering. 1, 2, 3, 4. Cloak the Gathering. Conditioning, parce que là, ici, c'est le retour des Malkevians avec Dominate. Donc, on leur met du Conditioning pour bleeder vraiment fort. 3, 4 Conditioning. Du Deflection pour se débarrasser des bleeds des autres joueurs. 5 deflection. Un beau Dream of the Sphinx. Donc, ça, c'est une carte qui, peut, qui pourrait être courue par des nouveaux joueurs. Euh, mais ça ne vaut pas l'achat d'une boîte. Là, mais c'est un bonus qui est vraiment intéressant. Donc, ils sont pas allés de main morte avec les bonnes cartes. Euh, donc, Dream of the Sphinx. Elder's Library. The Eyes of, K uh, Eyes of Argus. Donc, Eyes of Argus, combien il y en a Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 Eyes of Argus. Faceless Knight avec un nouveau, un nouveau design de carte. Très beau design, je trouve. Donc, 1, 2, 3, 4, 4 Faceless Knight. Foreshadowing Destruction, probablement une carte qui va se faire remplacer dans un deck building par euh, par des Conditioning. Euh, mais, well, ils sont là. Et puis, je crois que c'est un nouveau art aussi, c'est nouvelle une nouvelle œuvre d'art qui, euh, qui illustre la carte. Govern the line carte, probablement une des meilleures cartes du jeu. Uh, Governed Align aussi avec un nouveau, euh, une nouvelle œuvre pour l'illustrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Governed Align pour bleeder pour 3 minimum. Ensuite, Life in the City, donc pour faire gagner du blood à ses vampires. Lost in Crowd 4 euh, de stealth, donc plus 1 stealth, plus 2 stealth, 1, 2, 3, 4, Lost in Crowd. Unlock EV pour pouvoir bloquer ou rediriger un bleed. 1, 2, 3, 4, 5. Revelation pour garder la main de l'autre. Euh, 1, 2, 3, 4. Revelation. Spying Mission. Wow, 4 Spying Mission. Cette carte-là est là pour donner du stealth et aussi pour annuler les, les bleeds qui seraient redirigés. Donc ça, c'est très utile euh, pour ça. Donc 4 Spying Mission. Swallow by the Knight. 1, 2, 3, 4. Donc il y a vraiment un module stealth là-dedans qui est vraiment intense. Puis on a beaucoup de, de, de plus bleed. Puis on a. C'est vraiment. Euh, il, je pense que ce deck-là va être très très fort. Très, très agressif. Euh, Telepathic Misdirection pour l'intercept et pour rediriger les bleeds. Même si on a des deflections euh, quand même à l'appel. Il y en a 5 plus 1, 2, 3, 4, 5 autres. De deflection, mais pas des déflexions mais des telepathic misdirection qui redirigent des bleeds. Et puis wider view, donc pour nous permettre de citer notre euh, notre crypte euh, dans la région Uncontrolled. Donc voilà, ça c'est un. C'était le deck pour les qui viennent Donc le deck des Théoradors, les artistes, ok? Donc euh, à l'intérieur de la boîte... Il y a la carte du seating que je vais mettre de côté. Ensuite, les vampires. On a Bridge Striker. Donc, avec. C'est très rare, ça, quand même. Mais ils font ça de plus en plus depuis les. Je te dirais les, les 3-4 dernières années. Là, il y a certains vampires qui ont deux, euh, deux disciplines à supérieur seulement sans avoir la discipline inférieure. Donc, ça, c'est quand même rare. Mais euh, voilà, il y en a un. Euh, il y a moyen intercept contre les vampires titrés. Ok, Brett. Catalina Vega, Prince de Buenos Aires, elle a plus un bleed, un vampire de 8 avec euh, les disciplines de base du clan euh, Toreador, qui sont euh, Aspects, Célérité et Présence, avec euh, un petit peu de euh, Fortitude. Donc, deux Catalina Vega. Flavio Consalve. Euh, Prince de Sao Paulo. Lui, une fois par combat, il peut faire un dodge. Fait que s'il a peur de la strike de l'autre en combat, il peut décider d'annuler de, 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 annuler ses effets. Avec euh, tout ce qui lui manque pour avoir euh, les, toutes les disciplines de, de son clan à supérieur, c'est Aspects à supérieur. Mais lui aussi, il a un petit plage de Fortitude. Donc, deux Flavio. Cathy Glens. Donc, un euh, petit vraiment de base avec. Euh, euh, présence à supérieur. Une fois. Massimo Falconi. Minseo. Le prince de Capitan. Mkokikli. Mkokikli. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'imagine que c'est comme ça qu'on devrait prononcer. Mkokili. Mko Et puis, euh, prince de Cap Town, Et puis avec euh, présence à supérieur. Deux fois. Nixico, le chanteur. Et Tamosius. Avec tout ce qui manque, c'est Aspects supérieur. Pour pouvoir bloquer ou rediriger peut-être des bleeds. Donc on y va tout de suite avec les cartes de la library. Air Revelation. Donc, plus un bleed, plus deux bleed, euh, puis plus deux bleed, plus trois bleed, si t'es avec un toriador. Fait que, c évidemment, c'est une carte qui est essentielle dans un, de, un deck de Toriador. Donc, deux Air Revelation. Il pourrait probablement en avoir plus. On va voir ce qu'il euh, qu y a dans le restant du deck On peut voir la stratégie un peu. Donc, deux Air Revelation. Le Art Museum. Pour euh, ajouter un, un bleed de la Blood Bank sur un vampire, un vampire Toreador de la Uncontrolled Region. Donc, ça nous permet de sortir des vampires. Après trois tours, ça, fait, ça nous fait. Euh, Gagner du pool, en fait, quand on veut sortir des vampires. Bewitching Oration. 1, 2, 3, 4. Bewitching Oration pour gagner des votes. Donc, plus 2 voix et euh, plus 4 voix. Change of Target. Je, je suis en train d'écrire un article, justement, sur cette carte-là. Donc, euh, ça permet d'un-taper et d'annuler notre action si on est bloqué. Donc, 2 Change of Target. Consanguineous Boon. Gagner du pool en vote. 1, 2, 3, 4. Consanguineous Boon. Un Crypto Casino pour faire passer euh, les actions non dirigées avec du stealth. Elysion de Palace of Versailles pour donner à tous les vampires euh, titrés Camarilla euh, plus une voix lors d'un référendum. Enchanted Kindred pour bleeder et pour transférer du blood des de, 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 de Blood Counters euh, sur les vampires de la Hun Region. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kine, donc ça ici, Kine Resources Contested, c'est une carte vraiment de base dans tous les decks de vote. Euh, c'est ça qui fait du dommage, vraiment à grande échelle, la carte la plus commune pour faire ça. On redistribue 4 points et puis ces 4 points-là sont, euh, sont transférés en dommage direct au pool des Mitsula adversaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Évidemment, il y en a 8. Donc ça, c'est une carte vraiment... On s'en attendait. Majesty, la carte de combat pour les euh, Toriadors parce qu'eux, ils euh, ne veulent pas rentrer en combat. Donc, ils veulent annuler le combat avec Combat Ends. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combat Ends. Parity Shift. Donc, ça aussi, ça, c'est une carte qui a été réimprimée. Donc, elle a changé cette carte-là. Avant, c'était... Euh, en fait, cette carte-là, là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend trois poules d'un vampire qui possède plus de poules que vous. Et puis, vous pouvez les redistribuer comme vous voulez. Donc, vous pouvez les garder ou les donner à d'autres joueurs. Donc, on a 4 Parity Shift. Donc ça, c'était une carte qui était courue et qui était. Euh, qui a quand même de la valeur. Donc ça, ça peut peut-être attirer les, euh, les joueurs qui sont euh, les anciens joueurs. Perfect Paragon, même chose. Donc, ça ici, c'est pour euh, plus trois voix ou moins d'intercept aux alliés aux vampires plus jeunes. Donc, c'est une façon pour les terriadors d'avoir du stealth, une semblant de stealth. Et de gagner des voix. Donc, 1, 2, 3, 4 Perfect Paragon. J'aurais aimé ça avoir des A. Mais il n'y a pas de Holland Deck. Euh, C'est une carte vraiment que je cours plus. Que okay, des Perfect Paragon. Resist Earth's Grasp. Une carte de combat et de Action Modifier. Donc pour soit gagner un Press ou une manœuvre optionnelle avec un Press ou plus un Stealth. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Resist Earth's Grasp. Scalpel Tongue. Donc ici pour les, euh, euh, les Political Action. 3, 4, Scatter Tongue. Second Tradition Domain. Donc, un deck qui contient des princes devrait probablement contenir des Second Tradition Domain pour pouvoir bloquer avec deux l'intercept. 1, 2, 3, 4, Second Tradition. Et ça, ça a été Hunting Ground. Donc, c'est une carte de base pour n'importe quel deck. Donc, Toriador Grand Ball, très intéressante aussi. On choisit deux Torriador qui sont en jeu. Et puis, on en lock un. Et puis, l'autre reste unlocké. Et puis, celui qui est unlocké. En fait, celui qui est locké ne va pas unlocker. Euh, euh, normalement euh, au début de chacun des tours. Et puis euh, l'autre Toriador, s'est fait une action de non-bleed, c'est autre chose que du bleed. Ça peut être n'importe quoi, une carte de vote, un équipement n'importe quoi. Euh, cette action-là ne pourra pas être bloquée. Euh, donc c'est très utile quand on joue un deck de vote, évidemment. Et puis euh, c'est une carte qui... N'importe quel minion peut venir euh, détruire ces cartes-là euh, comme une action dirigée. Et puis les Nosferatu au moins un stealth quand ils veulent essayer de faire ça. Donc, Toriador Grand Ball, 1, 2, 3, 4 Toriador Grand Ball, c'est donc que ça fait partie intégrante de la stratégie d'avoir des actions non bloquables. Toriador Justicar, donc euh, pour avoir plus de votes. Des villines, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 villines pour pouvoir transférer du blood d'un vampire à notre, euh, notre poule. Euh, de 2 à 5 de blood, cette carte-là aussi a été, a été changée. Donc euh, maintenant, c'est fixe 2 à 5. Avant, c'était illimité. Donc, euh, c'était quand même très fort. Et puis, Votus Captivation. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Votus Captivation pour pouvoir remplir nos vampires après un vote. Donc, voilà. Ok. Donc, euh, deck des trémères. Ok. On va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, premièrement, hein, on a la carte de seating order qui est la carte numéro euh, du quatrième joueur. On la met de côté. Et puis, donc, les vampires. Aelec, donc euh, caméra Prince euh, d'Addis Ababa, avec euh, toutes les disciplines des trémères à supérieur, aspects, Dominate, et puis Tomaturgie, avec euh, un, un Prince Asset. Je vais faire remarquer une chose ici, c'est que sur la carte de Quick Reference, euh, je remarque que le nom de Tomaturgie a changé. C'est maintenant. Ça s'appelle maintenant Blood Sorcery. Euh, je, je pense qu'ils ont fait ça dans la mesure où ils voulaient euh, se rapprocher du jeu de rôle, la cinquième édition du jeu de rôle. Je ne sais pas quel genre de changement ça va apporter au jeu parce qu'il existe plein de cartes où il c'est marqué Tomaturgie, donc. Euh, euh, je ne sais pas quelle incidence ça va avoir dans le jeu, mais bon, euh, je voulais vous faire remarquer que le nom de et hey, c'est possible que je dise thaumaturgie tout le temps, là, euh, mais c'est Blood Sorcery maintenant qui, euh, qui devrait être le terme utilisé pour euh, cette discipline-là. Donc voilà, ça c'est une chose que je n'avais pas mentionné. Derrière les cartes des Seating Order, il y a la Quick Reference Card qui, euh, qui parle des différentes phases de jeu. Euh, qu'est-ce que ça veut dire Out of Turn euh, l'Influence Phase, la Discard Phase les différents titres, les sectes et puis euh, les clans mais ça, ça fait référence seulement à ce qui se trouve dans la boîte euh, de 5e édition pas tout le jeu en tant que tel parce qu'ici il ici, manque énormément de discipline énormément de clans euh, puis beaucoup de termes ici, là, comme des titres il y en a à peu près 5 fois plus que ça donc, euh, donc voilà, mais c'est une carte qui est bien intéressante pour les nouveaux joueurs donc on peut facilement prendre la carte puis faire référence à ça quand on apprend le jeu donc voilà, on va continuer de regarder le, le deck. Ayalec. Donc il y en a une, deux Ayalec. Chrysanthemum. chrysanthème avec Blood Sorcery, supérieur, euh, Aspex, et puis euh, Dominate. Primogène. Aussi, elle a un titre primogène. Donc une Chrysanthemum. Ines Tristao. Prince de Rio de Janeiro. Pour 6 super belle carte. Lauren Lloyd Brooks, primogène aussi Nazir Patrick Sutterberg Rosalina Cortez Trevin Parker qui a toutes les disciplines supérieures pour 6 et puis euh, il a deux fois. On rentre dans les cartes de Library. Donc, 1,44 Magnum, super belle carte. 2 poules, permet de circuler en combat et de tirer pour 2, faire 2 points de dommage. Euh, très très utile en défensive. Et puis, il y a certains beaux decks à faire avec ça comme carte maîtresse, mais en offensive. Donc, euh, super belle carte. Il y, en a il y en a seulement un dans le deck. Academic Hunting Ground, un hunting ground classique pour euh, le clan. Apportation pour pouvoir faire une, euh, un press pour continuer une, le combat ou une manœuvre. 1, 2, 3, 4. Donc euh, je m'attends à avoir des Walk of Flame à l'intérieur ou quelque chose du genre. Donc 4. Arcane Library pour pouvoir euh, sortir des vampires plus rapidement. Euh, envoyer du dans à la Uncontrolled Region. Bonding, pour plus de bleed et plus de stealth. Parce que le stealth, ce n'est pas la force des tremères. 1, 2, 3. 4, 5, 6, Bonding. Ball of Convergence, super belle carte d'Aspex, ben, qui permet de. Ben ouais, qui doit être joué sur un vampire qui a si euh, il est possesseur du Ball of Convergence, plus un intercept. Et si l'as supérieur, il peut brûler un blood pour avoir plus un intercept supplémentaire, donc c'est versatile. Super belle carte. Chantry, pour euh, sortir les vampires de torpeur, je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Chantry. Deflection, donc pour rediriger les bleeds, 1, 2, 3, 4, 4 Deflection. Eyes of Argus pour pouvoir avoir l'intercept, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Eyes of Argus. Govern the Underline avec un nouveau Art, donc une nouvelle oeuvre pour illustrer la carte. Super belle carte, mais probablement une des meilleures cartes du jeu. Plus 2 bleeds inférieurs et euh, permet de transférer jusqu'à 3 bloods de la blood bank jusqu'à un vampire uncontrolled plus jeune. Euh, qui coûte un blood. Donc, une carte super versatile, qui faiblit des forts, les vampires qui ont, ah, super, euh, qui ont dominate à inférieur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. La même quantité qu'il y a dans la carte des Malkavian. Donc, euh, dans le deck des Malkavian. C'est une carte maîtresse. C'est ça qui va être joué le plus souvent dans le deck. Kevlar Vest, prévient deux dommages qui viennent d'un gun. Euh, ou un de dommage de n'importe quelle autre source donc ça c'est super le fun donc Magic of the Smith pour faire sortir le 44 magnum donc ça permet, de, à moins qu'il y ait d'autres weapons euh, ouais le sport bike en tout cas euh, ça permet d'aller euh, chercher la library pour un équipement et puis euh, de payer son coût et puis de l'installer sur le vampire à un stealth ou à trois stealth si c'est la supérieure fait que ça c'est une belle carte aussi mais c'est pour sortir le 44 donc ok le euh, Mirror Walk euh, pour avoir du stealth et puis empêcher les combats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le Misdirection pour locker un vampire. Qui coûte un pool. 1. Un. Under Key Vive. 1, 2, 3, 4. Un, un Pentex Oversion avec le texte et l'art vraiment changé. Donc le texte a été changé. Donc le, le, le vampire qui, qui a sur lui le Pentex Oversion peut toujours agir. Euh, ce qui n'était pas le cas dans la version précédente. Donc, euh, maintenant, le, le vampire ne peut pas bloquer l'action. Precognition, une carte d'intercept. Prévenir du dommage à supérieur aussi s'il y a un combat. Un, deux, Precognition. Deux Spirit's Touch. Donc, pour avoir une manœuvre, au lieu de prévenir un, c'est une manœuvre. Donc, deux Spirit's Touch. Donc, il y a un petit module ici d'intercept. Euh, sports Bike, pour avoir un intercept aussi permanent. Telepathic Misdirection pour un intercept à inférieur et puis la possibilité de rediriger un bleed à supérieur, coûte un blood. 1, 2, 3, 4. Theft of VT, la carte maîtresse des, euh, des combats des trémeurs. Donc, eux, ils font pas de dommages. Eux, ils te volent ton sang directement. Donc, euh, c'est voler un ou deux sangs à inférieur ou à supérieur. Et puis, c'est euh, blood or life qui est spécifié ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 10 Theft of Vité. 1, 2, 3, 4 vessels. Ah, ben, il n'y aura pas finalement ce que j'avais prédit. Je pensais euh, devoir des euh, Walk of Flame à l'intérieur, euh, mais non, il n'y en a pas. Euh, Wazerschloss, Anif, Austria, euh, Austria. Donc, ça permet de sortir des vampires plus, euh, euh, plus rapidement. Là. Donc, ça permet de transférer des, des blocs de vampires qui sont en jeu euh, vers des blocs de control region. Et puis wider view aussi pour pouvoir euh, contrôler un peu plus ce qui se passe dans la Uncontrolled region. Si on a des vampires qui c'est des doubles, on peut s'en débarrasser. Et puis on peut finalement utiliser 4 transferts pour brûler la carte et gagner 2 poules. Ok, deck des Ventrue ici. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur On a la carte de seating, donc seating numéro 5, avec la carte de référence pour avoir les différents noms de disciplines et les, euh, les tours de jeu, etc. Les noms des clans, les différentes significations des symboles. Et puis, avec les vampires. Donc, on a Alexa Draper, prince de Melbourne, avec euh, présence supérieure, à supérieure, supérieur, potence et fortitude. Donc Potence, c'est une discipline qui devrait pas être utilisée dans, cette, euh, dans ce deck-là, mais donc c'est un splash de Potence, peut-être qu'il peut être, qui être utilisé avec euh, d'autres mix. Euh, durant la polling step d'un n'importe quel référendum, elle peut, euh, elle peut défausser une carte qui demande Dominate pour gagner une voix. Donc c'est intéressant. Donc Alexa Draper, une seule fois dans le deck. Peut-être est-ce dommage, je sais pas. Euh, Alice Chen, Prince de Nairobi. Euh, donc euh, présence, fortitude supérieure avec Obfuscate et... Euh, Dominate à inférieur. 2 Alice Chen. Brooke Sterling. Fortile supérieur. Chelsea Blake. Chelsea Blake. Donc, euh, Dominate à supérieur. sur le fun pour 5. Horst von Brühl. Prince de Mannheim. Avec Fortier de supérieur et puis le reste à inférieur. 2 von Brühl. Madison, donc Vampire de base avec toutes les disciplines supérieures et une valeur de 6. Une seule. Naomi Stewart, donc tout ce qui lui manque c'est de la supérieur pour 5. Oshri Dahan, donc euh, Vampire vraiment de base avec les, avec les disciplines inférieures pour 4. cybran Van Osteen, Prince de Rotterdam. On peut Unlocker euh, cybran après, euh, après un référendum que lui-même a appelé, euh, que lui-même a joué. C'est intéressant. Euh, Dominate inférieur pour lui. Deux, Hosting. Donc voici pour les cartes de vampires. Maintenant pour les cartes de library. Anarch Troublemaker pour pouvoir se débarrasser des, euh, des équipements en jeu et euh, probablement surtout euh, locker des vampires de, son, euh, de sa proie. Donc un Anarch Troublemaker anti Empowerment pour euh, punir tout le monde qui a des vampires en jeu. Nebroken euh, Minion. Bewitching Oration pour gagner plus 2 ou plus 4 voix. 1, 2, 3, 4 Bewitching Oration. Malgré le fait qu'il y a tellement de princes, euh, il y a tellement de titres dans le deck, ça devrait pas être très difficile de gagner ça. Quoique dans les autres, euh, dans les autres decks de cartes qui viennent avec euh, cette version du jeu, il y a aussi beaucoup de titres. Donc, en tout cas, ça doit s'équilibrer la, la chose. Des cartes de Blood Doll, 1, 2, 3 Blood Doll. Des Conditioning, ça c'est un essentiel quand on a Dominate. Donc, plus 2, plus 3 Bleed. 1, 2, 3, 4. 4 Dominate. Daring the Dawn pour rendre nos, euh, une action euh, non, euh, non bloquable, mais qui, qu on, mais qui nous fait avoir du dommage aggravé par contre. C'est ça le drawback un peu de, de la carte. C'est qu'on reçoit du dommage aggravé, par contre notre action est imbloquable par les Vampires. Deflection, 1 2 3 4 5 6 deflection pour éviter les bleeds des autres. Ancient kindred plus un bleed et puis on transfère du blood de la blood bank sur les vampires euh, plus jeunes de la Uncontrolled region. 1 2 3 4 5 6 7 8 Free drive. Ça ça peut attirer les anciens joueurs donc c'est une carte qui permet d'un en fait d'unlocker les vampires après qu'ils aient fait des actions, bloquées ou non, que ce soit inférieur ou supérieur. Donc ça c'est une carte qui est courue quand même. Donc pour un blood, on peut tenter de refaire une autre action. Donc ça c'est majeur comme, euh, comme carte. Donc ça prend fortitude. Donc une, deux, trois, quatre, 5, 6 beau free drive à l'intérieur du deck des Ventrue Hidden Strength pour pouvoir prévenir du dommage. Euh, donc voilà. 1, 2, 3, 4 Hidden Strength. Je sais pas si, c dans, je sais pas si c dans la synergie des, des différents decks. Ça valait la peine de mettre des hidden strength parce que dans le fond on paye du blood pour prévenir du dommage comme je pense que c'est utile quand on est face à du dommage aggravé. Sinon on paye, on, on fait juste prévenir un dommage par rapport au blood qu'on paye, donc je suis pas certain que ce soit vraiment utile, mais bon voilà. Ils ont décidé de mettre des hidden strengths. Information Highway pour avoir plus de transferts. C'est une belle carte aussi. Intimidation, plus un bleed, plus deux bleeds, donc 1, 2, 3, 4 intimidations. Kind Resources Contested, une carte de, de base, de base, de base dans les decks de, dans les decks de vote. Euh, ça permet de redistribuer 4 points de dommages directement au pool des Methuselahs qui sont en jeu. Donc, ça, c'est super. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La carte de défense euh, de, de, un, en combat d'étrémère. Donc, euh, Combatants, Untap. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Misdirection, donc pour pouvoir. Euh, Locker un minion en jeu. Donc, c'est une forme de, de façon de pouvoir faire passer nos actions sans trop de problèmes. Non, parity shift, c'est pour voler 3 poules d'un autre métier là qui en a plus que nous en ce moment. Et puis, on prend ce 3 poules là et on redirige. Euh, on peut redistribuer. 1, 2, 3, 4, 5 parity shift. Second relation pour pouvoir bloquer les actions. Mais ça prend un prince ou un just car 2, 3, 4. Uptown Hunting Grounds, Hunting Ground classique pour les Venture. Ventrue Ventured Quarter, c'est pour gagner trois, trois voix lors d'un référendum. Firm de capuchine, c'est pour euh, augmenter notre capacité euh, à piger des cartes. Donc on pige quatre cartes tout de suite et puis on, on a un hand size pour chaque counter qu'on a. Puis chaque fois qu'on pige une carte, on la remplace pas, mais on enlève un counter à la place. Et puis on brûle la carte et on plus de counter, donc ça nous permet de, rapidement d'avoir une avance de 4 cartes, dans le fond, sur notre main. Ensuite, euh, Voodoo Captivation pour pouvoir remplir de sang nos vampires. 1, 2, 2 Voodoo Captivation. Wake with Evening's Freshness pour pouvoir bloquer et jouer les cartes de réaction. 1, 2, 3, 4. Et 2 Wider View pour euh, faire sortir les vampires si on en avait des doublons dans notre Uncontrolled Region. Ok, le deck de Nosferatu. Donc, Nosferatu 5ème édition. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. On a la carte de seating, donc euh, seating order numéro 2, avec l'autre côté la quick reference qui parle des turn sequence, donc l'ordre la, la, de jeu, les différentes disciplines, les clans, les titres, les sectes, etc. Très utile pour les nouveaux joueurs. Ensuite, à l'intérieur du, de, du deck, il y a Aunt Linda, potence supérieure. Big Sinho. On pourra choisir là-dessus. il là, a une fois, -in Day, Donc, Camarilla, Prince of Copenhague, avec Obfuscate euh, euh, supérieur. Et puis les autres disciplines inférieures. On va voir. C'est une, une prince qui coûte 6. Donc euh, ça peut, peut valoir la peine pour ça, mais je ne suis pas certain de son utilité. Donc Bellinde. Dowager, The Dowager. Donc, elle, euh, Animaliste à supérieur, obfuscate supérieur, et puis c'est une primogène. Et puis elle a plus un intercept contre les actions dirigées. Donc ça, ça peut être intéressant parce qu'on va voir dans le deck, euh, il y a une carte qui, euh, qui doit être défendue. Euh, et puis c'est donc une action dirigée contre nous. Donc ça, c'est intéressant. Et là, une fois dans le deck, peut-être qu'on devrait la mettre plus qu'une fois. Horace Radcliffe, le batailleur. Donc, euh, potence supérieure, et euh, supérieur pour 5. Larissa Moreira. Euh, Animalis Obfuscate, primogène elle aussi, durant une action de bleed, elle peut défausser une carte qui demande Animalis pour gagner plus un bleed. Elle est là deux fois. Donc ça va nous permettre, en, en fait, ça permet ça de faire des fois du ménage quand on a des cartes d'animalis de, dans les mains qui ne servent à rien. On peut euh, utiliser cette technique-là pour s'en débarrasser, tout simplement, notre deck. Lenny Burkhead, primogène plus un bleed, Animalis est supérieur. Ryan. 1 à potence supérieure. D'accord? On va y aller avec les cartes de, les cartes de, lib de la library. Karen Crows, carte de, de combat classique pour euh, animalisme. Donc, du dommage à longue distance, dommage environnemental. Deux Karen Crows seulement. Cats Guidance pour, euh, pour après avoir bloqué, ne pas taper et puis euh, ne pas locker, c'est-à-dire et puis plus un intercept. 1, 2, 3, 4 Cats Guidance. Creeping Sabotage, une toute nouvelle carte de, 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 de la cinquième extension. À un start, on met cette carte en jeu. Et puis euh, notre... Euh, durant notre unlock phase, notre proie va brûler un pool pour chaque creeping sabotage qui sont en jeu. Et puis ça coûte X. Donc euh, la, le nombre de creeping sabotage, le coût de la carte va augmenter au fur et à mesure qu'ils vont être en jeu. Donc c'est comme la carte maîtresse de ce set-là. J'ai l'impression que c'est comme ça vraiment qu'on veut faire bleeder notre deck, faire euh, diminuer le pool de notre proie. Euh, donc ça, ici, très intéressante comme carte. J'ai hâte d'essayer ça. Euh, probablement que je vais en ajouter beaucoup plus là, pour pouvoir centrer la stratégie du deck autour de celle-là. Donc 4 creeping sabotage. Deep Song, super belle carte aussi. Donc bleed à plus 1 pour animalisme. Bleed à plus 1 ou euh, forcer un combat entre deux joueurs. Et puis c'est l'adversaire qui est le acting minion. 2, 3, 4, 5, 6 Deep Song. Fame pour pouvoir faire perdre du pool à quelqu'un qui perd un combat. Ça c'est intéressant. Guard Dog c'est pour unlocker un vampire ou bien avoir, euh, avoir un, un, une manœuvre optionnelle contre un bleed. 4. Garden Angel pour avoir plus un intercept permanent durant un bleed et prévenir un dommage par combat. Guardian Angel, parce que là, les Nosferatu, ils, ont, ils vont se battre, donc peut-être un peu de protection, ce serait pas de tort. Even Uncovered, pour pouvoir rentrer en combat avec qui on veut autour de la table. Donc on peut euh, euh, mettre cette carte sur un autre vampire, et puis euh, n'importe quel vampire peut rentrer en combat contre lui. Euh, euh, à plus un stealth, si je ne me trompe pas. Uh -huh. Immortal Grapple, pour pouvoir empêcher l'autre de faire d'autres choses que des Hand Strike. 1, 2, 3, 4, Immortal Grapple. Instinctive Reaction, pour avoir l'intercept. 1, 2, 3, 4. Labyrinth. Pour, euh, on tape pour donner un stealth à un Osferatu. Lost in Crowd. 1, 2, 3, 4. C'est du stealth. Du stealth en masse. 4 Lost in Crowd. Murder of Crows. 2 Murder of Crows. Ça, ici, ce sont des cartes qui, une fois qu'ils sont euh, employés par un vampire, euh, ça fait du dommage environnemental lors de la Strike Resolution. Hum. Euh, Ouais c'est ça. Un, euh, un point environnemental. C'est ça. Donc, deux murder of crows. Des qui-vivent. 1, 2, 3, 4, 5 un key, -Vive. Une, deux, trois, quatre, cinq Under -Key -Vive pour pouvoir euh, jouer les cartes de réaction et tenter de bloquer. Preternatural strength. Une accent de stealth qui, une fois sur le vampire, euh, donne plus un strength au vampire qu'il possède, ou plus deux strength euh, permanent. Donc ça c'est super. Deux preternatural strength, c'est des cartes qui sont courues ça, par les anciens joueurs aussi. Donc ça peut être tentant. Donc je trouve que ce deck là il est tentant pour deux raisons. La première, il y a des, quand même des cartes intéressantes pour les anciens et puis il y a les nouvelles cartes surtout euh, que les anciens joueurs n'ont pas. Donc euh, le deck de Nosferatu va probablement sortir plus vite que les autres. Euh, Protected district, ça permet à un primogène euh, quand tu as une action de bleed ou durant le polling step d'une political action, soit de réduire un bleed de 3 ou de gagner 3 voix. Donc c'est une carte plutôt versatile pour qui fait un deck de primogène. Et puis dans ce deck-là, il y a beaucoup de primogènes. 2, 3, 4, Protected District. Raven Spy pour avoir l'intercept permanent. Donc 1, 2 Raven Spy. Rebel, si on bloque un vampire titré ou une political action, on gagne du blood. Roundhouse, super belle carte, nouvelle carte de potence, donc permet de faire deux, plus 2 de deux dommages ou plus 3 de dommages à supérieur. Donc ça va devenir une carte jouée dans n'importe quel deck de potence, ça, là, ça, va, de, ça va remplacer d'autres cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Roundhouse. Slum, euh, Slum Hunting Ground, euh, c'est le hunting ground classique pour les Nosferatu. Smiling Jack pour pouvoir un peu d'attrition. Donc le Smiling Jack, lui, il se promène puis il fait du dommage à tout le monde pendant qu'il. Nous, on, on le paye de notre pool, mais il fait perdre plus encore aux adversaires. Donc c'est une carte, genre de carte à protéger autour d'une table. Testivité, après un combat, on gagne autant de blood. Euh, on gagne autant de blood que le nombre de dommages qu'on a fait à notre adversaire. Euh, le nombre de blood qu'on a fait perdre à notre adversaire. Donc 1, 2, 3, 4. Underbridge 3. Pour pouvoir bloquer les actions, untapé, Donc, 2 on the de Vessel. 1, 2, 3, 4 vessels. De Warren's. De Warrens qui, euh, qui, qui demande un Nosferatu qui est utilisable seulement quand une action dirigée contre moi ou une carte que je contrôle. C'est plus d'un intercept. Et plus un intercept si le vampire est titré. Le Nosferatu est titré. ça fait un facile 3 d'intercept pour un primogène. Donc c'est bien intéressant. Donc, il y en a 4. Et finalement, un Warsaw Station euh, qui permet. Euh, ça permet. Un, en fait, on doit locker cette carte-là lorsque Nosferatu annonce une action non dirigée après la, la résolution de l'action. Si l'action est un succès, euh, je peux unlocker le Nosferatu. Euh, puis je peux brûler cette carte-là aussi pour, bouge pour bouger un Nosferatu en torpeur dans la Ready Region. Donc c'est quand même une très belle carte, bien ben utile. Euh, donc ça, donne une, ça permet d'unlocker de, des Nosferatu après des actions. Ça c'est super le fun. Donc voilà